J'en ai marre de l'eau, je m'énerve. Qu'est-ce qui lui arrive? Non. On n'aime pas voir nos enfants comme ça. C'est pas évident de savoir comment établir le contact sans les brusquer. On a envie de leur redonner le sourire, forcément, mais on sait pas comment. Bah, qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? C'est avec Léon, on s'est disputé. Oh, bah c'est rien, ça. Il ne faut jamais minimiser le chagrin de nos enfants. Même si pour nous, ça paraît minime, pour eux c'est important. Et la souffrance est réelle. En effet, à l'occasion de la sortie de la nouvelle recette BN, vous savez, le fameux biscuit sourire, j'ai été invitée à un webinaire en ligne sur la thématique du sourire justement, avec le docteur Valette, pédopsychiatre. Pour BN, le sourire en fait c'est essentiel. Enfin pas que pour eux, pour moi aussi. Mais eux, ça fait partie de leur ADN en fait. Hein. Regardez, ils l'affichent même sur leur nouveau logo désormais. Alors, avec tous les conseils que j'ai pu avoir lors de ce webinaire, vous allez voir, je vais redonner le sourire, le smile, comme on dit, hein, pour être jeune, à mon fils. Je comprends, mon cœur, ça fait tellement du mal, toutes ces histoires. Ah oui. Fais-moi un col. Voilà. Et là, vous allez voir, stratégie. Ce n'était qu'un petit coup d'essai, hein. J'ai mieux. Tiens, écoute, j'ai une devinette pour toi. Qu'est-ce qui est petit, rond, vert, qui monte et qui descend? Un petit poids dans un ascenseur. Maman, tout le monde la connaît, celle-là. Bon, bah, les blagues, ça peut marcher, hein, mais un peu moins ringarde. Coucou les enfants! Coucou les enfants! Coucou les enfants! Coucou les enfants! Maman, on n'est pas dans un cirque, là. Réfléchis, quoi. Ah, mais je sais! Je vais employer les grands moyens. J'y suis peut-être allée un petit peu fort, là. Eh, hey, mais si je faisais ça? Le pédopsychiatre Dr Valette et BN avaient raison. Rien de mieux que le partage et la complicité. Mais pour ça, j'ai une autre idée. Ça te dirait de goûter la toute nouvelle recette encore plus gourmande et plus chocolatée de BN? Alors mon chéri, tu choisis quoi parmi les nouvelles recettes de BN au goût plus gourmand? Tu as le goût framboise, noisette, fraise et chocolat avec plus de fourrage. Et tu as également le goût vanille et le goût chocolat au lait avec un fourrage plus onctueux. Et encore les mini BN. Alors qu'est-ce que tu veux? Alors moi je vais prendre les mini BN, la framboise et la vanille, c'est parti! Chez nous, le moment du repas est hyper important. On échange beaucoup à ce moment-là. N'hésitez pas à partager avec nous en commentaire un moment, une anecdote de votre vie qui vous a donné le sourire. Car comme vous le savez, le sourire est communicatif. Alors, faites-nous en profiter. J'ai adoré faire cette collaboration avec BN parce que tout d'abord, c'est une très belle marque française. Leurs biscuits sont à base de blé complet français et produits dans l'usine de Vertou en région nantaise. Leur nouvelle recette est vraiment excellente. On a adoré avec Hugo et moi en tant que bonne gourmande. J'ai absolument kiffé puisque c'est plus chocolaté, fourré, onctueux et intense. Et puis vous savez que le sourire, bah c'est ma marque de fabrique. Enfin, quand j'arrive à faire sourire. Ah, mais ça sent mauvais ça! C'est dégoûtant, c'est dégoûtant! Oh, on peut plus rire là! Oups! Non, écoute. C'est. Ah, chérie. Ça te dirait de goûter la. T'es comme ça! Ouais, vous avez une. Qu'est-ce que c'est pour ça, ça? Qu'est-ce que tu fais? Et je révise mon tête. Oui, je coupe. Ah non, après. Non, s'il te plaît, fais pas ça. Mais oui, mais le but c'est de te faire rire, ça marche en fait. Attends. Aïe! Sérieux, c'est la scène la plus risquée aujourd'hui du tournage. Elle m'a explosé les oreilles en hurlant, en faisant sa grimace, et elle a failli s'étouffer. Ça marche? Oui. Attends.